Zombie Apocalypse. Wesh l'équipe, comment vous allez-vous? Comment allez-vous? Moi ça va super, hein, Wattles. Tu connais les lunettes de soleil parce que là le soleil il m'explose les yeux. Donc pour vous expliquer un peu ce vlog d'aujourd'hui, donc le 4ème vlog. En vrai, je m'en rends pas compte, mais quand même 4 vlogs, c'est quand même plaisir, ça fait plaisir de vous faire autant de vlogs, autant de vidéos. En plus, vous les kiffez, je regarde mes analytics tous les jours. Vous kiffez plus mes vlogs que mes vidéos, pourquoi pas vlogger à 24 en fait sur cette chaîne? Pourquoi pas devenir super vlog? Non, je rigole. Bref, donc je vois que vous kiffez, ça me fait plaisir. C'est tout ce que je souhaitais, vous faire plaisir, me faire plaisir. C'est optimal, on verra l'année prochaine les retours sur les vlogs avec la team Energy. Si ça se passe, bien évidemment. Bref, donc comme je vous explique, je vais pas vous expliquer ce vlog avant même qu'il ait commencé pour bonne et simple raison que je l'ai tourné toute la journée en fait. Bref, donc j'ai mis mes lunettes de soleil parce que voilà. Donc je peux vous expliquer le vlog avant même qu'il ait commencé par bonne raison que je fais l'intro après avoir tourné tout le vlog en fait. Parce que aujourd'hui on est parti se balader dans une ville, la ville de Jean Ferrat il me semble. Je m'en rappelle plus du nom exact, petit texte pour vous dire le nom exact parce que je m'en rappelle plus du tout. Il me semble que c'est Jean Ferrat ou Jean Ferrat. Ouais, c'est stylé, quelques photos, quelques vidéos qui suivront après l'intro. Donc là encore le vent en fait, cette zone je vais la haïr en fait. Il y a trop de vent dedans. Puis bah voilà, en gros, c'est vraiment une belle journée. Donc je vais vous laisser avec des images de cette journée magnifique. Donc je vais pas pouvoir vous montrer par contre des images du musée de Jean Ferrat. Pas moi, c'est pas raison, c'est logique. C'est pas vous diffuser quelque chose qui se vend. Voilà, je vais pas faire ça. Pas de toute façon que je vais faire strike et que c'est interdit. De base, c'est interdit. J'ai pris des vidéos pour moi personnellement, mais c'est interdit de base. Hein. Donc, quand même, quelques images de l'endroit en lui-même, de l'extérieur du musée, etc. Puis voilà, je me rappelle plus le nom de la ville aussi. Voilà, je me rappelle plus de rien. Je me rappelle plus que c'est bien Jean Ferrat ou autre. Je me rappelle plus si c'est le nom de la ville. Mais bon, c'était une belle dinguerie à faire. C'était une belle journée. Donc pareil, pas de piscine encore aujourd'hui. Peut-être demain. Demain, j'essaie de faire piscine. Demain, je sais qu'on va déjà, on va à Leclerc demain. Donc voilà. Il me semble. Puis bientôt les fameuses grottes préhistoriques là. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Un truc préhistorique, bref. Donc là, en baladant un peu vers l'entrée du camping là, qui est juste ici, bah, j'ai vu cette grosse affiche là. Vraiment, il y a des trucs pas mal comme le paintball, water game ou encore le grand mini golf, ou même le canoë. Le canoë, bon, bref, je vais regarder un peu les tarifs et tout. Peut-être qu'on en fera sur les 3 derniers jours qui restera, 4 ou 3. Même ça, j'en ai aucune foutre idée. Et puis, je vais me mettre mes lunettes de soleil en fait, parce que je remarque que le focus il le fait pas en fait, c'est tout le temps sombre. C'est pas ouf pour vous en fait, ou c'est peut-être juste moi avec les lunettes. Pareil, là il y a une putain de vue là. Oh l'équipe, dommage que vous voyez pas la vue parce qu'il y a vraiment magnifique. Hein. Donc, du coup, bah, je vais voir les tarifs et tout, je vais voir si je vais pouvoir faire des petits trucs. Je vais voir aussi s'il y a aussi bah, ce qui me permettra de le faire. Bref, du coup, l'air est-ce. Il reste 3-4 jours, et 3-4 jours on va être bien chargé, bien occupé, plein d'activités. Je m'en rappelle plus, je pars samedi. Alors, je pars samedi, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, 3 jours il reste complètement ici, et puis un jour en plus avec la route. Je vais voir si je pourrais vous filmer un peu le retour, pour que vous puissiez voir un peu le départ du camping, etc. Que vous puissiez voir un peu la route, etc. Les paysages qu'on voit, c'est comme de sacrés beaux paysages. J'espère juste que je pourrais réutiliser tous mes rushs, parce que là avec le vent, aujourd'hui, il fait ni trop chaud ni trop frais, mais il y a beaucoup de vent en fait. Le seul défaut, il y a trop de vent. Thank you.
Ouais, je l'ai vu en baladant dans le camping, j'ai à peine de le remarquer, hein. Regardez, une petite sculpture en ferraille d'un chien avec son maître, je suppose, qui lui tend une sorte de rose. Ouais, c'est vraiment stylé. Là, il a l'air d'avoir un gros truc, on dirait un truc de train là, le Croatia de train, on dirait. Mais bon, comme je suis pas sûr, bah voilà. Et donc, bah, je pense que dans les prochains jours, dans les 3 prochains jours, je vais donc louer la cour de tennis. Je sais pas encore avec qui je vais en faire, mais je vais trouver. Il y a bien quelqu'un qui va vouloir faire avec moi. Il va y avoir un fou qui va vouloir faire du tennis avec moi. Et bon, c'est pas sûr. Bon bah voilà l'équipe, j'espère que vous aurez kiffé le vlog numéro 4, il me semble, de la chaîne. Bref, on est les boss, on va y arriver, let's go, vous me faites péter mes analytiques sur ce vlog. Je vous aime, on se dit à la prochaine, c'était Super Énergie, ciao les gars.